Êtes-vous prêts à jouer, bande de pourceaux? Mon heure est venue, et l'heure de la sorcellerie a sonné. Je suis Anne de Chantraine, et je l'aime chaud. Je l'aime chauffé à blanc. Et vous? Vous allez jouer avec le feu. Retenez bien ça. Mea culpa, Anne. Répétez-le et n'oubliez jamais. Quand je vous ordonnerai de vous repentir, vous répondrez Mea culpa, Anne. Repentez-vous et répétez Mea culpa, Anne. Bande de porcs. C'est ça. Mea culpa, Anne. Il est temps de commencer les vocalises, mes cochons. Oh, tous en même temps. Repentez-vous. Si un des porcs que vous êtes a oublié de répondre « Mea culpa, Anne », je l'envoie croupir dans la fosse commune. Une porcherie spécialement faite pour vous. Que mon heure commence. Lancez les deux dés. Et le porc qui fera le numéro le plus élevé sera le premier à entrer dans l'heure de la sorcellerie. Et dans son cauchemar, silence! À qui de jouer? Repends-toi. Quel est ton nom? J'imagine qu'on t'a déjà trouvé des noms bien pires. Moi, je me vois très bien t'appeler Crapaud. J'adorerais même t'appeler mon crapaud. Tu sais ce que j'en fais, moi, des crapauds? Je les écrase. Silence! Où est mon crapaud? Repends-toi.
Où étais-tu passé? T'as pas été très gentil. Je parie que tu es pourri jusqu'à la moelle. J'ai une mission pour toi, crapaud. Donne-moi le nom d'un de ces porcs dont tu penses qu'il a un point commun avec toi. Donne-moi son nom. Vite! Tu sais ce que tu as en commun avec ce porc? Je vais te le dire. On peut vous attraper l'un comme l'autre. Car toi, tu es un crapaud et lui, une pustule. Maintenant, la pustule, quel est ton numéro? C'est le nombre de tours que le crapaud va perdre pour t'avoir mis dans ce pétrin. Silence! Où est ma pustule? Repens-toi. Les vers tournent dans mes furoncles. Qui veux-tu voir tourner, pustule? J'ai déjà mon crapaud, mais maintenant, j'ai un petit caprice. Quelque chose de très spécial à te demander. Qui veux-tu faire tourner en bourrique? Dis-moi son nom, je t'en prie. Détourne, contourne, retourne, demi-tour est à ta queue, et voilà une queue, il t'en pousse une très longue, rat. Dis-moi, rat, quel numéro t'a-t-on marqué au fer rouge? C'est le nombre de tours que la pustule perd pour avoir retourné sa veste. Silence! À qui de jouer? Repends-toi. Jette le dé, porc. Quel chiffre as-tu fait? Tu seras récompensé ou torturé à temps. Et le temps seul te le dira, en moins de 10. Tout porc qui se trouverait par hasard sur ma pierre tombale perd un tour. Silence! Le crapaud va maintenant jeter un dé, et s'il fait son numéro, il va directement dans la fosse commune.
Silence ! Les cochons marqués au fer rouge du plus grand et du plus petit numéro, repentez-vous. Lancez les deux dés. Celui qui a fait le score le plus élevé reçoit une clé. Silence ! Crapaud ? Repends-toi. J'ai une mission pour toi. Va chercher un bout de papier et un crayon. Dépêche-toi, crapaud. Je vais bientôt revenir. Ne me déçois pas. Sinon, tu finiras en bouillon. Les porcs qui se vautrent dans la fosse commune sont libérés. Silence ! Le crapaud, la pustule et le rat, repentez-vous. Mes meilleurs vœux, mes mignons. Je veux que le crapaud écrive un nombre entre 1 et 12 sur le bout de papier. Puis le rat et la pustule auront une chance chacun de deviner ce nombre. Si l'un d'eux le devine, tous les trois gagneront une clé. Sinon, le rat et la pustule passeront chacun autant de tours que le nombre écrit par le crapaud. Silence ! Où est ma pustule ? Repends-toi. Dis-moi, combien ai-je invité de porcs autour de cette table ? Lequel d'entre eux veux-tu que j'humilie ? Je veux que ce porc se mette à quatre pattes et couine autant de fois qu'il y a de joueurs. S'il m'obéit, il gagnera autant de tours que de grognements. Mais s'il est trop fier pour s'exécuter, alors tout a un prix. Il devra faire son numéro avant de pouvoir rejouer.
Silence ! À qui de jouer ? Repens-toi. Jette les deux dés. Quel nombre as-tu fait ? Tu seras torturé ou récompensé à temps. Et le temps seul te le dira en moins de 10. Silence, bande de porcs! Ceux d'entre vous qui sont marqués d'un numéro pair vont jeter un dé. Si vous faites votre numéro avec le dé, vous gagnez une clé. Silence, bande de porcs! Ceux d'entre vous qui sont marqués d'un numéro impair vont jeter un dé. Si vous faites votre numéro avec le dé, vous gagnez une clé. Tout porc qui se trouverait par mégarde sur ma pierre tombale, va devoir rendre une clé ou aller tout de suite dans la fosse commune. Crapaud, repens-toi. J'ai une mission à te confier, mon petit crapaud. Lance les deux dés, crapaud. Quel nombre as-tu sorti? Lance les dés à nouveau. Donne-moi le nombre. Lance les dés à nouveau. Le nombre, crapaud. Maintenant, additionne ces trois nombres. Et si le total est égal à l'âge d'un des porcs autour de la table, alors ce porc reçoit une clé. Silence ! Avis à tous les porcs qui sont sur une tombe tant. Il est justement temps de jeter un dé. Si vous faites votre numéro, vous pouvez prendre une clé.
Silence ! À qui de jouer ? Repens-toi. Quel âge as-tu ? Divise ce nombre par deux et donne-moi le résultat. Divise-le encore par deux. Qu'est-ce que ça donne ? Divise-le encore par deux. Et encore une fois. Arrondi au chiffre inférieur. Et c'est le nombre de jets de dés auquel tu as droit pour faire ton numéro et gagner une clé. Les porcs qui se vautrent dans la fosse commune sont libérés. Marqué du plus grand numéro. Repends-toi. Quel est ton numéro par... Multiplie-le par deux et donne-moi le résultat. Maintenant, lance les deux dés. Et si tu sors un nombre supérieur à ce résultat, tu prendras une clé. Silence ! Le porc qui a le plus grand numéro. Repens-toi ! En quel mois es-tu né ? Quel est le numéro de ce mois ? C'est le nombre de jets de dés auquel tu as droit pour faire ton numéro et gagner une clé. Mais si tu échoues, c'est le nombre de tours que tu perds. Si ta mère t'a pondu en janvier, je te donne un conseil. N'utilise qu'un seul dé. Repends-toi. J'ai une mission pour toi, le rat. Lance un dé. Et celui qui a le numéro que tu sortiras va perdre autant de tours.
y a des sales porcs dans la fosse commune. Je la libère pour que vous puissiez jouer tous ensemble. Je t'ai aidé. Et dépêchez-vous, car j'ai horreur d'attendre. Repends-toi. Quel nombre as-tu fait? Une veine de coquet. C'est le nombre d'essais auquel tu as droit pour faire ton numéro et gagner une clé. Que tu choisisses un de ces porcs. Ordonne-lui de rendre une clé. Et toi, en échange, tu peux en prendre une. À qui de jouer? Repends-toi. Choisis un numéro entre 1 et 12. Tu seras torturé ou récompensé. Attends. Et le temps seul te le dira en moins de 10. Regardez ce qui est gravé. Pourceau. Jetez tous les deux dés. Et voterez-vous chacun dans votre misère. Les porcs qui se vautrent dans la fosse commune sont libérés.
à qui de jouer. Repends-toi. Tu es banni dans la fosse commune. Pars en broche. Repends-toi. J'ai encore une mission à te confier. Jette un dé et le port marqué au fer rouge du numéro que tu as fait a le choix entre rendre une clé ou perdre autant de tours. Combien de clés as-tu, crapaud? Ce sont autant de tours que tu vas perdre. De jouer. Repends-toi. Quel est ton véritable prénom, porc? Combien de lettres dans ce prénom? Maintenant, jette les deux dés. Quel total as-tu fait, porc? Bon, si ton prénom a plus de lettres que le score que tu viens de faire, tu peux prendre une clé. Mais si ton prénom en a autant, au moins, tu perds autant de tours que le score que tu viens de faire avec les dés. De jouer. Repends-toi. Quel jour est-on aujourd'hui, porc? Sachant qu'il y a 7 jours dans une semaine et que le dimanche est le premier jour de la semaine, quel chiffre correspond au jour d'aujourd'hui? Et c'est le nombre de jets de dés que je t'octroie pour faire ton numéro et gagner une clé. Si tu échoues, je te laisse le choix. Tu rends une clé ou tu vas dans la fosse commune. Vécu, vieille truie.
Je vois que les années n'ont pas été charitables avec toi. Et je ne vais pas l'être non plus. Et jette un dé. Et quel chiffre as-tu fait? 3 que je te donne pour faire ton âge exact avec les 2 dés et gagner une clé. Et si tu dépasses ton âge, tu recommenceras autant de fois qu'il te reste d'essais. Si tu échoues, tu as le choix. Tu rends une clé ou tu devras faire ton numéro pour pouvoir rejouer. Repends-toi. Quel âge as-tu? Oh, encore en train de téter, hein? Et jette un dé. Et qu'as-tu fait? Et c'est le nombre d'essais auquel tu as droit pour faire ton âge exact et gagner une clé. Mais pour ça, tu ne peux utiliser qu'un seul dé. Et si tu dépasses ton âge, tu recommences. Et s'il te reste des essais, et bien sûr, et si tu échoues, tu vas directement dans la fosse commune. De jouer. Repends-toi. Et choisis un numéro entre 1 et 12. Et tu seras torturé ou récompensé. Attends. Et le temps seul te le dira. Au moins de 10. Les porcs qui se vautrent dans la fosse commune sont libérés.
de faire monter la pression. C'est ce que j'appelle brûler à petit feu. Et chacun d'entre vous va devoir faire un chiffre impair avec le dé avant de pouvoir rejouer. Quelqu'un se trouve par mégarde sur ma pierre tombale. Il est banni dans la fosse commune. Crapaud, repens-toi. J'ai un service à te demander, crapaud. Jette un dé, et celui qui d'après toi va gagner et perdra autant de tours que ton score. À tous les porcs qui sont sur une tombe temps. Il est justement temps de jeter un dé. Et si vous faites votre numéro, vous pouvez prendre une clé. J'espère que vous êtes prêts à rôtir. Cochon, est-ce que je ne vais pas vous épargner tous les porcs qui ont cyclé perdent six tours. Crapaud, la pustule et le rat, repentez-vous. Jetez les dés, mes mignons. Celui qui fera le meilleur score gagnera une clé. Celui qui fera le score le plus faible en perdra une. Et le troisième pourra encore jeter un dé. S'il fait son numéro, il recevra toutes les clés qui lui manquent.
château. Elle doit rendre une clé et retourner sur sa propre tombe. Du vieux cochon sauvage et du petit porcelet. Repentez-vous tous les deux. Maintenant, lancez l'écu à la tête et vous gagnez une clé. La queue et vous en perdez une. Regardez ce qui est gravé. Pourtant, jetez tous les deux dés et voterez-vous chacun dans votre misère. Et repends-toi. Et j'ai encore une mission pour toi. Jette un dé et le pas qui est marqué du numéro que tu as fait pour apprendre une clé et te dire merci. Toi, si tu as les deux parties de la formule magique, tu peux les échanger contre toutes les clés qui te manquent. Mais si tu ne les as pas, tu dois faire ton numéro deux fois avec les dés pour pouvoir rejouer. Thank you.
vous doit faire un nombre pair avec les dés avant que vous ne puissiez rejouer tous ensemble. D'après toi, donne-moi son nom, sale tétard. En fait, il gagnait, car il va rendre toutes ses clés et toutes ses cartes, et il va aller tout droit dans la fosse commune. Qui sont marqués d'un numéro pair vont jeter un dé. Si vous faites votre numéro avec le dé, vous gagnez une clé. D'entre vous qui sont marqués d'un numéro impair vont jeter un dé. Si vous faites votre numéro avec le dé, vous gagnez une clé. Silence ! Les porcs sur une tombe chance. Je vais vous en laisser une. Jetez un dé. Et si vous faites votre numéro, vous gagnez une clé. Repends-toi et jette les dés, porc. Si tu fais 6 ou moins, alors tu as droit à autant d'essais pour sortir ton numéro. Si tu y arrives, tu gagnes les clés qui te manquent. Et si tu fais 7 ou plus, tu perds autant de tours. Vous allez tous à tour de rôle lancer les deux dés. Et si vous faites le double de votre numéro, vous gagnez toutes les clés qui vous manquent. Toi, j'ai une dernière mission pour toi. Quel score as-tu fait? Et c'est le nombre que le porc qui va d'après toi gagner doit faire avec les dés avant de pouvoir rejouer. Thank you.
Les porcs qui se vautrent dans la fosse commune sont libérés. Et si elle fait son numéro, elle rend une clé. Repends-toi. Hors de la poêle à frire et directement dans les flammes. Si tu avais toutes les clés, rends-les. Retourne sur ta tombe et recommence depuis le début. Qui est gravé pour Saul. Jetez tous les deux dés et vautrez-vous chacun dans votre misère. Ça sent le roussi. Attention, voilà le dernier service. Jetez chacun votre tour les deux dés. Et celui qui fera le score le plus élevé pourra prendre toutes les clés qui lui manquent. De toute façon, le souper est presque fini et je ne veux pas en laisser une seule miette. Mais votre cauchemar ne fait que commencer. Envie d'essayer un nouveau jeu? Le jeu de société avec cassette vidéo Atmosphère 2 revient en force.
avec plus d'amusement terrifiant, avec plus d'atmosphère, avec plus de traitement de choc, plus de frissons. Cranche-moi! Baron Samedi, Zombie, Atmosphère 2, doublement effrayant.